Merci, Kevin, pour cet accueil chaleureux. C'est toujours un plaisir d'avoir la chance de te revoir. Et merci, Suzanne, pour ton accueil ici à McGill. Toujours un plaisir aussi d'être de retour à mon ancienne université. Avant de commencer, j'aimerais tout d'abord prendre un moment pour envoyer nos pensées et nos prières à Londres, où un attentat a eu lieu plus tôt aujourd'hui. As always, Canadians stand with our British friends during these difficult times. Bonjour tout le monde. Comme vous l'aurez probablement remarqué, nous recevons de la grande visite aujourd'hui. I want to thank Mike Schroepfer and Jan LeCun and the whole Facebook team for making this trip. It's always a pleasure to welcome folks to Canada, to my hometown. Vous me permettrez également de saluer ma collègue Kirsty Duncan, ministre des Sciences, ainsi que la ministre Anglade et évidemment le maire Coderre. Merci à vous tous d'être ici. Chers invités, c'est un grand plaisir d'être à Montréal ce matin pour souligner le lancement du laboratoire d'intelligence artificielle de Facebook. C'est une très bonne nouvelle pour la ville de Montréal, pour les Québécois et pour tous les Canadiens. Now, I'm sure many people have told you that in the last couple of years, Montreal has become a real hub for innovation. A city that is quickly becoming not only one of the most attractive places in the world to raise a family, but also a place where entrepreneurs can turn dreams into successful businesses. Now, the people who've told you that in the recent years aren't entirely wrong, but I do want to set the record straight. This trend isn't exactly new. Generations of innovators and thinkers have built Montreal into the city it is today, a city where new ideas are welcomed, where talent thrives, and creativity flourishes. From the gaming industry to the medical field, from aerospace to entertainment, there are countless examples of leaders and thinkers who drew inspiration from this vibrant community. In many respects, creativity is the engine of our prosperity, not only in Montreal, but across Canada. So it should come as no surprise that more tech giants like Facebook are choosing our cities as their home away from home. With its strong research community and well-educated first workforce, Canada is the right place to shape the future. A future where things like artificial intelligence and deep learning help create jobs, improve our quality of life, and generate new opportunities for the middle class and those working hard to join it. And as much as AI is about the future, it's already shaping the world we live in today. From funny filters on social media to systems that can identify the most deadly forms of skin cancer, AI is already part of our lives, even if we don't realize it. That's just how broad its applications can be. For Facebook, AI is an invaluable tool to deliver on its mission to build stronger communities. Take the translation feature, for example. With the click of a button, students from Toronto to Tokyo can now connect and exchange ideas in ways that my classmates and I couldn't even have imagined 25 years ago. Similar technology can also be used to address some of the concerns we all share when it comes to the online community. Je parle des choses comme une détection plus efficace des codes de pourriel et de filtres qui aident à rendre les médias sociaux plus sécuritaires pour nos enfants. En tant que père de 3 enfants qui deviendront probablement utilisateurs de Facebook dans les années à venir, c'est très important pour moi. Bien sûr, le domaine de l'intelligence artificielle n'en est qu'à ses débuts et cette technologie avant-gardiste est encore plus prometteuse. Le Canada mène déjà la charge dans ce domaine. Nos scientifiques, nos centres universitaires et nos étudiants ont été parmi les premiers à reconnaître l'immense potentiel de cette science révolutionnaire. Dans cette salle seulement, on compte plusieurs pionniers de l'intelligence artificielle profonde ou de l'apprentissage profond. Et lorsque des géants de l'industrie comme Facebook décident de s'installer dans nos villes, leur présence témoigne non seulement du talent de calibre mondial des gens de chez nous, mais de notre énorme potentiel de croissance. En d'autres mots, c'est un vote de confiance pour le Canada et surtout pour les Canadiens.
Et je ne vous cacherai pas que notre gouvernement s'en réjouit. Après tout, l'intelligence artificielle rassemble l'innovation et la science tout en créant de bons emplois pour la classe moyenne et en faisant croître l'économie. Mais nous savons également que nous avons un rôle à jouer en tant que gouvernement pour veiller à ce que nos travailleurs soient disposés à occuper ces emplois, pour faire en sorte que nos étudiants soient prêts à saisir les opportunités qui découleront de ces avancées technologiques. C'est pourquoi nous avons mis l'accent sur la formation des compétences et l'innovation dans notre dernier budget. C'est pourquoi nous avons décidé d'investir dans notre plus grande ressource, les Canadiens eux-mêmes. À travers le pays, notre gouvernement fait des investissements ciblés et judicieux. Des investissements qui aident les Canadiens de la classe moyenne à se bâtir un avenir meilleur pour eux et pour leur famille. Nous appuyons la création de nouveaux stages d'apprentissage pour permettre aux jeunes d'acquérir de l'expérience en milieu du travail. Nous avons bonifié le programme canadien des prêts et bourses pour étudiants pour rendre les études postsecondaires plus abordables, un programme qui, d'ailleurs, est maintenant accessible aux parents qui désirent retourner aux études. These measures are all part of our ambitious but pragmatic plan to help prepare all Canadians, recent graduates and experienced workers, for the good jobs of the new economy. An economy where innovation is experienced by all of our citizens as a plus, not just talked about by some of us. An economy that works for everyone, not just the wealthiest 1%. That's why I know that Facebook will be such a valuable addition to the Canadian ecosystem. Because like Canada, Facebook is all about community and diversity. It's about bringing people together, whether they're an ocean apart or just sitting at opposite ends of the couch. I'm not speaking from experience here. That's what I'm told some people do. It's about recognizing that we can achieve more together than we ever could on our own. And it's about finding strength in our differences. That's a vision of the world we can all believe in and get behind. So thank you for choosing Canada. We're so very proud to be a part of this exciting new chapter in Facebook's future, in all of our futures. Merci beaucoup, tout le monde.